Ça devrait être bon, je vous donnerai le signal quand ce sera actif. Ok, super, ça commence. Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents donc aujourd'hui pour la conférence sur la monétisation de la donnée et comment utiliser vos données pour en retirer un avantage économique. Donc, ça va être une conférence qui va être présentée par Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Ton micro est coupé. Pardon. Bonjour à tous. Okay. Guillaume Aymard, je suis directeur du développement chez The Information Lab et je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous parler de monétisation et valorisation de la donnée, des données. Super. Et donc moi je suis donc Mélanie Blo, commerciale dans l'équipe de Guillaume chez The Information Lab sur Nantes pour développer la région de l'Ouest. Alors bien sûr, aujourd'hui nous sommes présents à Nantes. Mais nous sommes également présents dans toute la France et dans plusieurs pays européens. Hop, ok. Et Désolé. donc, il n'y a pas de souci. Et donc, sur Nantes, j'habite, comme vous voyez, dans l'ouest, en fait, dans l'ouest de Nantes, et je vais régulièrement voilà, faire mon jogging au stade de la Durentière, et j'utilise Strava, du coup, pour évaluer mes performances. Et finalement, on retrouve vraiment des données partout. Donc, quand j'utilise Strava, je peux voir toutes mes compétences chaque jour. Et on a notamment une collègue qui a fait une visualisation sur Tableau avec ses compétences pour ses marathons pour pouvoir comparer à chaque fois ses performances et faire de mieux en mieux finalement. Donc, voilà. Donc, on retrouve vraiment les données un peu partout et Guillaume vous en parlera un peu plus juste après. En fait, c'est les marathons de son mari, hein. C'est pas elle qui court en 42, Mais fallait pas le dire. en 4h20. Non, non, c'est son mari qui court aussi vite que ça. Mais elle, non, mais elle court aussi, hein. Elle court Je aussi, ouais, précise mais quand pas même, aussi. pas aussi vite. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est présent bien sûr dans plusieurs pays et on travaille sur Alteryx et Tableau, puisqu'on est premier partenaire de ces deux éditeurs. Je te laisse juste avancer à la slide juste après. Donc, sur Alteryx, on l'a présenté tout à l'heure en atelier. Si vous n'y avez pas assisté, Alteryx est un outil de préparation et d'analyse de données. Et Tableau est un outil de data visualisation et de partage donc avec vos équipes. Donc, voilà, nos consultants aujourd'hui sont devenus experts sur ces deux outils. Donc aujourd'hui, on peut vous les revendre et vous avez également accès à notre support. Mais vous pouvez également suivre des formations puisqu'on dispense des formations officielles sur ces deux outils. Mais également, on fait aussi de l'accompagnement, donc du service et du conseil via des missions de coaching, d'expertise et du développement. Voilà, ça peut être de la régie, courte ou longue, etc. Voilà, donc le but, c'est vraiment de vous accompagner pas à pas dans vos projets data. Et donc, je laisse la main à Guillaume pour sa présentation. Merci beaucoup, Mélanie. Comme vous l'a dit, Mélanie, on a de la donnée dans nos téléphones. Et aujourd'hui, sur un smartphone, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a encore moins, il y a 15 ans. Alors moi, là, j'ai juste fait une copie d'écran de ma consommation de gaz, parce que comme j'ai 7 enfants, j'ai une grande maison et ça coûte cher à chauffer. Et donc là, vous avez au 15 décembre ma projection de consommation. Ce même type de projection, il y a 10 ou il y a 15 ans, on recevait une facture avec des chiffres dans des cases, un peu comme sur un fichier Excel, mais on n'avait pas toutes ces courbes. Donc, dans notre vie quotidienne, depuis quelques années, on a été habitué, et tout le monde a maintenant sur son téléphone ou sur une application ou sur un site web, on peut suivre son relevé bancaire, ses contrats d'assurance, ses contrats télécom, etc. Et donc, tous ces opérateurs nous poussent de l'information, valorisent de la donnée et nous la mettent en forme, sous forme graphique, pour qu'on comprenne mieux et qu'on puisse prendre des décisions. Ils font ça également pour nous fidéliser. Donc, il y a un gros travail qui est fait. Et ce qui est fait au quotidien par ces opérateurs pour leurs clients,
On peut également le faire en B2B, donc une entreprise qui va valoriser des données pour mieux fidéliser ses clients ou pour trouver de nouveaux services et vendre de l'analyse, etc. C'est tout le sujet de cette conférence sur la monétisation de la donnée. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle monétisation ? Alors, des données ou de la donnée, c'est quand même plus simple en anglais, c'est data. En français, on ne sait jamais s'il faut mettre des données ou de la donnée. Si quelqu'un a un avis là-dessus éclairé, je serais preneur, parce qu'on en débat à chaque fois. Alors, qu'est-ce que la monétisation ? C'est l'utilisation pour en retirer des avantages économiques et quantifiables. Donc, c'est un avantage économique, ce n'est pas forcément des euros en plus hein, sur un compte de résultat. Ça peut être, il y a différents types d'avantages économiques, on va les détailler. Et donc, la donnée peut être soit un produit, et on vend de la donnée, soit directement, soit via des plateformes. Il y a différents canaux de distribution et de revente de données. Soit ça peut être également des ventes d'analyse générées, c'est-à-dire qu'avec ces données, on va générer de l'analyse, on va valoriser ces données pour créer un service, apporter une solution à des clients, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce terme de monétisation qui est d'ailleurs une traduction très anglo-saxonne, en fait. On parle plus de valorisation des données en France. C'est vraiment comment on va utiliser ces données pour avoir un avantage économique. Alors, quelques cas d'usage courant. Alors, c'est pas récent, hein. Valoriser de la donnée, la vendre, ça fait déjà un bon moment. Il y a des cas très classiques d'utilisation, par exemple, les opérateurs télécoms qui revendent de la donnée pour de la publicité, par exemple, par triangularisation. Je sais que j'ai tant de personnes qui vont passer à tel croisement dans telle rue ou juste devant l'éléphant à Nantes, j'ai telle fréquentation. Donc, je peux valoriser cette donnée, la vendre à quelqu'un pour, par exemple, JC2Co qui va mettre un panneau publicitaire à cet endroit-là. Et comme en plus, à côté de l'éléphant, ce sera beaucoup une clientèle peut-être très familiale, on va pousser tel type de publicité ciblée. Donc, on va utiliser, on va revendre ce type de données. Donc, il y a des cas d'usage quand même qui sont pas récents, hein. Ça fait déjà un moment qu'on utilise ça. Et je vous parlais de cette évolution des cas d'usage. Dans les cas d'usage assez classiques, donc les profilages clients, les ciblages, l'analyse sur la fraude aussi, dans les banques, l'étude sur la solvabilité, dans la partie santé, tout ce qui est sur les essais cliniques, et la maintenance prédictive, et ça se développe énormément avec l'IoT également. Voilà, donc on a des cas d'usage quand même très, qu'on considère comme courants sur certains types d'industries. Et puis il y a une utilisation fréquente hein, des données de benchmarking, hein, effectivement, comment on analyse de mieux en mieux certains types de clients pour pouvoir pousser des produits, de l'information, etc. Mais ces cas d'usage et les cas d'utilisation peuvent faire émerger de nouveaux business models. Et je vais vous donner des exemples auprès de sociétés françaises. J'essaie de prendre quasiment que des exemples de sociétés françaises que je vous présenterai un peu plus loin. Par exemple, enfin, je vais déjà vous en présenter un maintenant. On travaille avec JC2Co et on travaille également avec Monoprix. JC2Co avait déjà un business model assez orienté avec l'achat de données pour pouvoir analyser et mieux pricer leurs panneaux publicitaires. Et là, ils ont un accord avec Monoprix pour mettre sur des vitrines de Monoprix des écrans. Et en fait, ils analysent les tickets de caisse. Et par exemple, je constate sur les tickets de caisse qu'il y a un pic de vente de petits beurre nanté à 16h. J'aurais pu prendre une autre marque, mais bon, on va rester sur un exemple nanté. Et cette information d'analyse des tickets de caisse, je vais la valoriser. Et donc, Deco va vendre un espace publicitaire entre 15h30 et 16h30 à un concurrent ou à une entreprise qui va faire des petits sablés bretons, par exemple, ou autre chose. Donc, le cas d'utilisation, il va être encore plus poussé pour personnaliser cette publicité. Voilà, ça, c'est dans des nouveaux cas d'utilisation. Alors, on en a beaucoup aussi sur la personnalisation des produits. Beaucoup de choses sur l'amélioration des interfaces utilisateurs, sur les sites internet notamment. Voilà, d'autres exemples sur l'amélioration de l'expérience client grâce au chatbot. Alors, les assureurs ont fait beaucoup de choses aussi là-dessus. Je pense à des assureurs dans la région de Niort.
etc., etc. Et puis, alors, prévision pour la gestion de l'énergie, ben, je vais vous présenter mon exemple de consommation de gaz à des niveaux plus macro. On a également beaucoup d'exemples sur ce type de sujet. Une bonne nouvelle, c'est que la monétisation des données n'en est qu'à ses débuts. Et en France, on est même plutôt un petit peu en retard au niveau international. Donc là, je vais vous partager des résultats, quelques slides sur les résultats d'une étude, l'étude PAC de l'Institut BARC, qui a fait une étude sur la monétisation des cas d'utilisation, monétisation des données, cas d'utilisation, mise en œuvre et valeur ajoutée. À cette question, ils ont voulu poser la question à différentes, je ne sais plus combien d'entreprises qui ont été interrogées, je crois 200-300, et c'est international comme étude. Est-ce que vous avez déjà une initiative ou pas? Il y a à peu près 25% des entreprises grands comptes qui ont déjà mis en place des initiatives de ce type, monétisation, ou qui sont en cours de le faire. Ce qui fait finalement assez peu. Et c'est pour ça qu'on considère sur ce marché qu'on en est plutôt au début et que le potentiel, il est devant nous. C'est également corroboré par une étude du Gartner sur le marché de la BI. Sur le marché de la BI, il y a même d'ailleurs trois marchés. Il y a la BI un peu traditionnelle, type reporting, qui est maintenant en décroissance. La BI self-service, la database, etc., qui est en très forte croissance. Mais c'est la BI pour des sujets internes. C'est-à-dire que j'analyse des données internes pour gérer l'entreprise, pour piloter l'entreprise, l'organisation, l'association ou autre. Et puis, ce qui est en plus forte croissance aujourd'hui, c'est l'utilisation de la donnée pour des usages externes. Et c'est vraiment le cas. Enfin, on est dans ces cas-là avec la monétisation de la donnée. C'est comment j'utilise des données dans un cas externe pour valoriser mes données à l'externe. Et donc, le Gartner, leur prévision de croissance, sont plus de 30% sur leur marché, alors qu'on est autour de 10% sur le marché de l'utilisation de la BI interne. Pour continuer sur cette étude, ce qu'on constate, c'est que un des moyens, quand même, une des choses qui est mise en place le plus facilement en entreprise sur la valorisation des données, c'est déjà de fournir des résultats pour améliorer les processus. C'est ce qui revient le plus facilement et c'est le type de projet qui est le plus facile à mettre en œuvre. Et vous avez après répartition de ce qui est fait aujourd'hui, mise à disposition de données via le benchmarking, le reporting, c'est des utilisations, des cas d'usage un peu plus classiques. Ensuite, on a mise à disposition d'une plateforme numérique. Donc, je vais valoriser à travers un extranet, par exemple, mes données à travers mon site internet. Et puis, en moindre mesure, mais qui est en fort développement, mise à disposition de nouveaux services pour les produits existants. Je vous donnerai des exemples avec la société Clean Data Innov qui a des boîtiers télématiques dans des véhicules pour former des gens à la conduite. Ils créent des produits et des services associés qui innovent. On peut élargir les produits existants également. C'est en croissance également. Et puis, il y a de la mise en place de nouveaux modèles d'affaires. Notamment sur l'IoT, il y a aujourd'hui des sociétés qui se sont construites directement sur ce type de business model. Comment je vais collecter de la donnée d'objets et la valoriser? Le business model repose autour de cette valeur. Donc, c'est vraiment de nouveaux business models. D'ailleurs, enfin, juste pour revenir sur ces nouveaux business models, je pense à Alert Geysoil, qui est une petite société marseillaise, qui a créé également un boîtier télématique qui s'installe dans les tracteurs, donc les cabines des camions. Et il y a deux capteurs dans les réservoirs et ça permet d'analyser la consommation, d'optimiser la conduite. Il y a une alerte également en cas de vol de carburant. Et ils se sont maintenant déployés à l'international sur d'autres secteurs d'activité comme les péniches et autres. Et donc, tout leur business model repose autour de comment je capte cette donnée, je la valorise pour permettre aux clients de faire des économies. Alors, quels sont les avantages de la monétisation de la donnée quand on pose cette question aux entreprises? Le premier avantage, c'est d'abord une nouvelle source de revenus. Quand on va chercher valoriser ces données, et pas forcément que ces données, on peut aussi enrichir ses propres données de données externes, avec soit de l'open data ou acheter des données externes pour enrichir ses propres données et apporter une information ou un service à ses clients. Donc, c'est d'abord une nouvelle source de revenus. Également ensuite le développement de nouveaux services qui est très proche. Comme
J'en parlerai un petit peu plus loin sur un exemple aussi. La meilleure fidélisation des clients. Je vous parlerai d'un cas Territoria Mutuel, qui est une petite mutuelle new-yorkaise, qui dans son extranet a encapsulé le logiciel Tableau pour proposer à ses clients une analyse de leur contrat. Et donc, tout ça pour avoir une meilleure fidélisation, éviter le turnover, etc. Dans les avantages, il y a les analyses internes pour enrichir notre patrimoine de données, produire de meilleures analyses pour mieux comprendre, parce que avoir un avantage économique, c'est peut-être vendre plus ou réduire nos coûts. Et donc, c'est souvent ces cas-là. Puis, une meilleure compréhension des clients, qui est un cas d'usage plus classique. Alors, comment tout ça? Comment générer les revenus? Parce que c'est quand même l'objectif. À partir des informations détenues par l'entreprise, il faut déjà analyser toutes les données à disposition. Et ces données à disposition, ce ne sont pas seulement des données qui sont déjà dans l'entreprise. Il faut élargir son champ de collecte de données pour voir est-ce qu'il n'y a pas des données, par exemple des données de l'IGN ou des données de la météorologie qui pourraient enrichir nos propres données pour avoir une analyse plus pertinente. Un exemple classique dans l'analyse de risque dans l'assurance, on va utiliser des données de météorologie pour pouvoir prévenir des risques d'inondation. Donc, enrichir ses propres données sur ses clients, sur ses contrats, avec des données de météorologie pour valoriser, par exemple, de nouveaux services, et envoyer une alerte à ses clients, attention, il y a un risque d'inondation, relever les équipements électroniques, etc. Donc, on va développer de nouveaux services qui vont permettre de fidéliser nos clients. On peut développer de nouveaux produits, et puis on peut aussi acquérir de nouveaux clients. Donc, toutes ces données pour tout ça, et ça pour monétiser, du coup, ces informations et ces données. Alors ça, c'est un slide qui est important parce qu'il il synthétise bien les différents cas d'usage, comment on peut les classer entre l'interne, l'externe, ce qui peut se faire en direct ou en indirect. Et ça peut permettre, c'est un slide que j'aime bien partager avec des clients parce que ça peut permettre de poser par rapport à leur projet, par rapport à leurs données, dans quel registre on est, vers quoi on va et quelles sont du coup les solutions, qu'est-ce qu'on peut en attendre, etc. Les cas d'usage externe, alors je vous en ai déjà parlé, la donnée comme un produit, c'est un cas très classique, donc c'est de la donnée brute, ou bien de la donnée nettoyée, raffinée, préparée. Et donc, on peut la vendre soit directement, soit via des plateformes, des places de marché spécialisées pour l'achat de données. Ça, c'est du direct et il y a peu de valeur, c'est juste de la vente de données. La donnée est toujours pour l'externe en direct, mais la donnée, ce coup-ci, on va l'analyser et on va produire de l'analyse, on va vendre ces analyses, donc que ce soit des résultats d'analyse, ou des prévisions, des prédictions. Je vous donnerai un exemple plus loin d'un petit cabinet de conseil parisien qui s'appelle Contour Conseil, qui est spécialisé dans le tourisme. Je vous en parlerai. Voilà, ils capitalisent sur les données qu'ils ont sur ce marché du tourisme pour les stations de ski, plus des données externes pour produire de l'analyse, faire des prévisions qu'ils revendent aux stations de ski. Donc ça, c'est les cas d'usage externe, assez classique, et aujourd'hui on a beaucoup d'exemples sur ces cas. Le cas qui est ce qu'on appelle la BI embedded, c'est encapsulé. Comment on va encapsuler dans son extranet, dans son site internet, dans un logiciel, dans une application, comment on va venir encapsuler soit un logiciel, donc c'est ce qu'on fait avec Tableau, ou bien développer soi-même des éléments pour apporter plus de valeur à nos clients, à nos prospects, etc. Et donc, améliorer les produits, faire de nouveaux produits ou développer de nouveaux services. L'exemple que je vous donnais avec Alert Gasol, c'est ça, par exemple, ils ont développé de nouveaux services. Clean Data Innov également, là, sur les boîtiers dans les voitures, par exemple. Donc, ça, c'est indirect parce qu'en fait, on va venir encapsuler, on va venir utiliser cette donnée, la valoriser et indirectement la pousser à nos clients. Et puis, les cas d'usage interne sont pour le coup plus classiques, entre guillemets, c'est comment mieux utiliser nos données pour augmenter nos revenus, améliorer la performance commerciale, réduire l'attrition de nos clients, ou comment mieux analyser nos données internes pour réduire nos coûts.
pour augmenter la productivité, réduire la consommation, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ces cas d'usage qui sont des cas d'usage plus classiques. Alors, tout ça, ce n'est pas si simple parce qu'il y a des obstacles. Et les principaux obstacles à cette monétisation, c'est d'abord la qualité des données. Parce que dans un monde idéal, on a déjà été confronté à des clients qui avaient des idées pour monétiser. Et soit on manque de données, soit elles ne sont pas forcément facilement accessibles, soit elles ont une qualité assez pauvre. Donc, il y a déjà une vraie question à se poser. Il faut déjà analyser un petit peu les données, le patrimoine de données. Est-ce qu'il est vraiment utilisable en l'état? Est-ce qu'il n'y a pas déjà de la data quality à mettre pour pouvoir les utiliser? Est-ce qu'on pense être une... On peut se tromper également sur la valeur de nos données. Est-ce que nos données ont de la valeur à l'extérieur? C'est une question assez essentielle avant de développer un business model. On a déjà eu des cas d'usage, enfin des exemples de clients qui pensaient que leurs données auraient de la valeur pour clients, mais en fait, les clients n'étaient pas prêts à payer pour cette valeur. Il y a également les sujets de la sécurité. Alors, on pourra, enfin, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais entre la réglementation RGPD, etc., sur les cas de vente de données en direct, sur des places de marché pour de la donnée, si c'est des données personnelles, il y a des règles à respecter, etc. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec n'importe quel type de données. Donc, il faut veiller à ce que tous les projets soient conformes. Il y a des difficultés éventuellement sur l'intégration au système existant. C'est-à-dire que j'ai un logiciel ou une application, je veux pouvoir valoriser des données, mais comment je vais faire pour l'intégrer? Est-ce qu'il y a un frein technologique ou pas? Comment tout ça va fonctionner? Par exemple, sur l'authentification, j'aimerais que mes clients s'authentifient et puissent ne voir que des analyses qui les concernent eux, pas quelqu'un d'autre. Donc, comment je gère cette intégration dans mon système? Et puis, parfois, on a également aussi tout simplement un manque de porteurs de projet ou de soutien de la direction. Il y a des surtout si on est dans des entreprises un peu plus grandes. Alors, il y a un exemple célèbre avec la Maïf, puisque Blablacar, fondateur de Blablacar, était adhérent sociétaire à la Maïf, et quand il est venu voir la Maïf pour leur présenter son projet, le temps que ça remonte toutes les arcanes de la Maïf, ça a été un peu trop long, donc il n'a pas travaillé avec la Maïf. Bon, depuis, la Maïf a beaucoup changé et ils ont une cellule sur l'innovation et sur les startups, et ça marche différemment, mais effectivement, c'est pas le tout d'avoir une bonne idée si on manque de porteurs de projets ou de soutien. Ça peut rester dans les cartons. Ensuite, une fois qu'on a échangé autour de ces difficultés, ces écueils, il y a des challenges liés à cette commercialisation. Là, on est sur un cas d'usage de valorisation en externe. J'ai des données, donc vous voyez bien sur le schéma, donc j'ai mes données. J'en achète peut-être à l'extérieur ou j'en rajoute qui sont peut-être gratuites. Toutes ces données, il faut que je puisse bâtir des modèles si je veux valoriser des analystes, c'est la partie Insight as a Service. Ou alors, je vais peut-être les préparer pour les vendre comme produits et préparer des datasets, des jeux de données qui soient vendables et exploitables. Tout ça, en reprenant sur les challenges, la qualité des données, la sécurité, la scalabilité également, la montée en charge. Puis pour la commercialisation, il y a des vraies bonnes questions. Est-ce que je passe par un broker, donc une plateforme? Est-ce que c'est par une application? Est-ce que c'est encapsulé? Est-ce que c'est interactif? Est-ce qu'on passe par une API qui va intégrer ça? Comment on valorise, comment on commercialise toutes ces données en respectant la réglementation et la concurrence par rapport à tout ça? Donc, c'est un schéma assez classique quand on est sur un projet de monétisation des données avec nos clients. On va regarder un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on a comme données, quelles sont les différentes options technologiques, et puis essayer de côté un petit peu tout ça. Est-ce que l'avantage qu'on va en tirer est-il plus intéressant quand même que l'effort à fournir? Alors, est-ce que la monétisation est faite pour vous? Et c'est une des premières questions qu'on pose quand on commence à échanger avec des entreprises sur ces sujets. Parce que parfois c'est pas le cas pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, enfin surtout des bonnes raisons. Le business model n'est pas prêt, les clients ne sont pas prêts à acheter, ou les données sont trop pauvres finalement, etc. Donc, est-ce qu'elles sont pertinentes, ces données? Est-ce qu'elles ont du sens?
Et puis, est-ce qu'on intègre la conformité et la sécurité? C'est le point qu'on a déjà abordé. Et donc là, maintenant, je vais plutôt rentrer dans des présentations de cas d'usage. L'idée, c'était de faire 30 minutes un peu plus théoriques comme ça, puis 15 minutes sur les présentations de cas d'usage client, et puis et ensuite partager 15 minutes de questions. Alors, ONE, qui est une filiale du groupe Auchan, c'est un fournisseur de données. Donc, eux, ils ont mis tout ça une plateforme en place pour collecter de la donnée qui vient historiquement plutôt de groupe Auchan, donc des données internes, multicanales, avec des ventes dans les magasins, en ligne, les cartes de fidélité, les stations-service, etc. Et puis, ils ont acheté des données externes, intégré des données externes comme la météo, le géomarketing, des attributs de produits, de fournisseurs, etc. Tout ça, ils ont développé des modèles d'analyse, de data science, pour de la segmentation, des analyses, et ils le valorisent. Alors, au départ pour le groupe, et puis maintenant, c'est vendu à d'autres acteurs qui sont clients de ONE pour utiliser toutes les visualisations, toutes les analyses qui sont faites par ONE Data. Et tout ça, donc les visualisations qui sont sur la droite ont été réalisées avec le logiciel Tableau. Alors ça, ce n'est pas un exemple français, mais il est intéressant parce que c'est une des références européennes sur une solution d'IoT. C'est Siemens qui a embarqué avec leurs produits qui remontent de la donnée pour tous les produits qui sont connectés. Mais comment je valorise cette donnée? On voit bien sur le schéma en bas, sur les différents types de produits, et comment j'apporte plus de valeur et plus de services à mon client. Alors, ça fait partie quand même d'une grande vague de stratégiques, hein, chez Siemens, pareil chez Schneider Electric, hein, ou d'autres, de grands acteurs qui veulent également développer leur offre de services. Pas juste vendre des produits, mais vendre du service. Et comment, avec la donnée, je vais pouvoir valoriser du service, une récurrence aussi sur mon chiffre d'affaires, et puis me positionner, pas juste comme le fabricant, mais comme un apporteur de valeur pour mes clients. Et donc, l'offre de Siemens, il y a différents niveaux. Donc, il y a les capteurs qui vont capter tout ça, toutes les données. Donc, ces données sont stockées, on les enrichit. Il y a une plateforme de développement, puis il y a une app, donc une place de marché pour l'analyse des données. Alors, un exemple, je vous en parlais tout à l'heure, c'était Contour Conseil. On va aller juste sur leur site internet. Normalement, vous allez pouvoir le voir. Et donc ils ont une offre où ils collectent à chaud la data du client, le traitement est en temps réel, l'analyse, etc. Donc elle vise l'amélioration de la connaissance client, la gestion de l'insatisfaction, etc. Donc leur business model est vraiment tourné autour de la valorisation de ces données, parce qu'ils sont partis du constat de l'accroissement exponentiel des volumes de données, puis du besoin de réactivité quasi temps réel pour les actions marketing et de commercialisation. Et donc, ils accompagnent donc les directions pour faire parler la data. Donc, c'est un petit cabinet de conseil, je crois qu'ils sont une vingtaine. On travaille avec eux depuis 3-4 ans déjà. Et leur business model est tourné autour de cette valorisation de la donnée et des analyses qu'ils vont pouvoir réaliser. Un autre exemple, c'est Travel Planet. Travel Planet, c'était une petite agence de voyage, je dis c'était parce que c'est maintenant devenu une beaucoup plus grosse agence de voyage spécialisée pour les entreprises, organisations, administrations et autres. Et ils sont passés de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2014 et 2018. On travaille avec eux depuis 2015. Ils ont, alors c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, mais ils ont un peu ubérisé leur métier. Donc, leur concurrence, c'était des Carson Valgonly, Thomas Cook, par exemple. Et donc, eux, ils ont mis la data au cœur de leur business model sur un process complètement digitalisé. Et ça leur a permis de gagner énormément de consultations, d'appels d'offres et de grossir très, très, très rapidement. D'ailleurs, il y a une petite vidéo. Voilà. Ils ont intégré aussi des outils dans leur plateforme, dans leur extranet, des outils d'analyse. Alors, ça défile un petit peu vite. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir superviser, contrôler l'ensemble des déplacements de leurs clients, enfin des personnels de leurs clients. Voilà. Ça permet la réduction de coûts. Ah, ça défile vraiment très vite. J'espère que ça vous fait pas mal aux yeux.
Voilà, donc Travel Planet, ils ont complètement intégré au sein de leur plateforme l'analyse réalisée donc, avec, avec le logiciel Tableau. Excusez-moi, j'essaie de me remettre en plein écran. J'y arrive pas, je sais pas, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc Travel Planet, ouais, de passer 10 à 100 millions d'euros en 4 ans, ça a été de. Quand j'en avais discuté avec le fondateur Tristan, ils ont vraiment eu cette réflexion de comment on va digitaliser notre process et mettre la data au cœur et apporter plus de services à nos clients. Et c'est vraiment ce qui leur a permis de gagner énormément d'appels d'offres et de changer. De changer de division entre guillemets et d'avoir une très très forte croissance. Alors maintenant je vais vous partager un exemple plus local. Alors c'est pas Nantais, c'est Niortais, enfin, c'est, à la fois, c'est pas très très loin. Une des petites mutuelles Niortais, c'est une mutuelle, ils sont 60. Territoria Mutuelle, c'est une mutuelle qui est spécialisée sur les administrations, enfin toutes les mairies, communautés d'agglos, conseils départementaux, etc. Donc, c'est une mutuelle de la fonction publique. Ils ont un extranet, et donc là, c'est ce que vous voyez là, sur la partie recette. L'idée, c'était d'encapsuler au sein de leur extranet un tableau de bord pour suivre les contrats et la qualité de service. Donc, ils voulaient pouvoir apporter plus de valeur, plus de satisfaction auprès de leurs clients, plus de transparence également. Et que quand le client se connecte pour pouvoir saisir ses contrats, suivre toutes les demandes d'adhésion, gérer les sinistres, etc. Et il a également un onglet sur cette visualisation donc, pour pouvoir lui apporter des indicateurs, de la transparence, voir les évolutions, etc. Donc là, on est dans un cas de plutôt de fidélisation de clients. Autant avec Travel Planet, c'était vraiment pour acquérir de nouveaux clients. La Territoria, ils ont déjà des clients, ils ont beaucoup, et ils vont fidéliser. Alors, c'est pour également attirer de nouveaux clients, mais l'objectif est d'abord de consolider, de changer un petit peu cette relation avec leurs clients. Et ça, c'était un premier projet. Et puis, ça leur a donné des idées parce qu'ils ont quand même mis du coup un peu la data et au cœur de ce process. Et puis, ils se sont dit, oui, mais en fait, on a des données, on pourrait sûrement faire d'autres choses. Typiquement, ils peuvent analyser sur des arrêts maladie, des durées d'arrêt maladie. Or, les mairies, quand il y a des arrêts de maladie, c'est elles qui prennent le relais pour payer le salaire, et elles sont assurées pour ça, donc il y a des assurances pour prendre le relais. Donc, de mieux analyser, mieux comprendre ces arrêts maladie, donc avec de l'analyse sur les données, ça permet de renégocier son contrat d'assurance et donc de faire des économies. Donc, l'idée de la Territoria, c'est ben, on pourrait aller plus loin et peut-être même proposer à des administrations qui ne sont pas nos clients de l'analyse sur les arrêts maladie afin d'optimiser leur contrat d'assurance. Donc, on commence par un cas d'usage d'intégration au sein d'un extranet pour fidéliser sa clientèle et de fil en aiguille, on a des sujets et des échanges pour mais comment on va valoriser d'autres analyses, peut-être pour d'autres types de clientèle, pour leur faire faire des économies. Alors, un autre exemple d'un de nos clients qui est un exemple assez connu, qui est le fonds d'investissement européen, qui est donc pour toutes les subventions pour les entreprises. Donc, on a, je vais aller sur leur site internet. Et donc, sur le site internet du fonds européen d'investissement, on peut naviguer, on peut sélectionner un pays. Une région, on va zoomer sur le Pays de la Loire, tant qu'à faire. Et par exemple, aller voir en Loire-Atlantique, et donc vous avez sur la droite, par exemple, le nombre de PME qui ont eu les subventions, comment ça se répartit par secteur d'activité, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce fonds européen qui donne des subventions ben, dans cet objectif de transparence. Ils mettent à disposition de la donnée. Donc, on a développé pour eux ce tableau de bord il y a déjà 2-3 ans. 3 ans, je crois. Et
toutes les personnes en Europe peuvent se connecter et accéder à de l'information de ce type. Donc, c'est un exemple plutôt de... on vient encapsuler dans un site Internet. Là, c'est plutôt de la transparence par rapport à des fonds qui sont versés. Donc, on s'éloigne peut-être un petit peu du sujet de monétisation, mais on est quand même dans de la valorisation de la donnée et de la transparence autour de ces sujets. Maintenant, quelques autres exemples. Alors, il y en a déjà un sur notre site Internet, pourra vous partager le lien. Voilà, c'est un petit peu comment on peut intégrer Tableau, donc le logiciel Tableau dans votre entreprise, mais en gros, comment on peut intégrer des analyses de données dans un site Internet, comment ça peut fonctionner. Donc, il y a des exemples ici, voilà, avec des petites choses à cocher, et puis de nombreux exemples pour s'inspirer, etc. Je ne vais pas tous les défiler. Je vais plutôt vous parler de cas clients, donc Dailymotion, qui est un de nos clients. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Dailymotion, ça a été un peu le YouTube français du début, et sauf que YouTube a grossi, puis il a été racheté par Google, et Dailymotion est resté une pépite française, et l'État français s'est toujours opposé à une revente à un groupe international. Et maintenant, en fait, leur business model, il est assez clair. En fait, ils veulent plutôt être spécialistes sur l'événementiel en direct, sur l'actualité. Donc, ils ont des clients qui sont des médias et produisent de l'analyse déjà sur le contenu de leurs clients pour apporter plus d'informations à leurs clients. Ils produisent également de l'analyse sur qui regarde les vidéos, combien de temps, à quel moment, etc., quel type de population. Et donc, je valorise cette information auprès de mes clients pour les aider à optimiser le contenu qu'ils vont pousser sur notre plateforme, etc. On les a accompagnés déjà depuis 3-4 ans, Dailymotion, sur ces sujets-là. Monoprix JC Deco, je vous en ai parlé, sur ces écrans qui sont sur les façades des Monoprix et qui poussent de la publicité en fonction de l'analyse des tickets de caisse. Voilà, Exodis, qui était l'opérateur électricité en Deux-Sèvres, c'est un projet qui est en cours parce qu'ils commencent le déploiement des compteurs Linky et ils ont besoin, par rapport à la communication autour du déploiement de ces compteurs, de pouvoir pousser de l'information et du suivi auprès des municipalités, comités d'agglo et autres sur ce déploiement, sur beaucoup d'informations de ce type pour être assez transparent. Donc, comment on intègre dans le cadre d'un déploiement de compteurs Linky toutes ces problématiques. Voilà, j'ai plutôt fini, j'ai même fini un peu en avance. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on peut commencer maintenant. Je peux également vous donner peut-être d'autres exemples ou détailler certains exemples dont je vous ai parlé, mais sur lesquels je n'avais pas de slide, par exemple Alert Gasoil ou Clean Data Innov. Voilà. Si... Est-ce que tu veux donner juste un autre exemple, tant qu'il y a des questions qui arrivent? Non, j'en ai pas préparé d'autres en fait. Donc, deux autres exemples. Pardon. Deux autres exemples. Volkswagen qui a encapsulé le logiciel Tableau également, mais c'est un réseau avec des concessionnaires. Et donc, pour que les concessions puissent se connecter et avoir tout un reporting et toute une analyse de leur vente. Donc, un cas d'usage avec des réseaux, et ça me fait penser du coup à un autre cas d'usage de réseau, donc avec IAD, qui est un réseau d'agents immobiliers présent en France principalement, mais aussi en Espagne, en Italie, au Portugal. Et donc les agents ont un extranet dédié pour gérer leur mandat, leur commission, etc. Et toute la partie suivi des mandats, justement, commissionnement, etc., est poussée à travers l'extranet avec de l'analyse visuelle pour donner à la fois de la visibilité sur le déploiement et sur tout leur business et leur croissance à l'étranger. Voilà, ça fait deux exemples de déploiement pour répondre plutôt à de l'interne, mais sur des réseaux de franchise. Je vois une question. Combien de temps à peu près pour ce type de projet? Alors, il y a déjà plusieurs questions à se poser en amont. Est-ce que j'ai un business model à construire autour de la monétisation de la donnée? Ça, c'est plutôt une phase de réflexion. Alors, on peut aider nos clients à travers les slides là, que je vous ai présentés.
On peut aider également à analyser la qualité des données, en fait, la partie sécurité et conformité. Ça, c'est plutôt assez rapide. Ce qu'on ne peut pas faire à la place du client, c'est par rapport à sa connaissance de son secteur d'activité, de son métier, est-ce que ces données ont de la valeur? On peut l'aider à se poser ces questions. Est-ce que mes données ont de la valeur? Est-ce qu'elles peuvent intéresser mes clients ou d'autres types de clients? Parce qu'on s'est déjà retrouvé confronté dans des cas où notre client avait vraiment ce projet, mais quand il a fallu tester et poser des questions donc, à ses clients, est-ce que le client était prêt à mettre un peu plus d'argent sur la table pour avoir ce type d'information? Leur client dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut quand même, notamment quand c'est de la valorisation et qu'on veut vendre pour avoir plus d'avantages économiques, enfin, un revenu, l'augmentation du revenu, il faut pas se tromper sur ce qu'on pense pouvoir apporter de la valeur à nos clients. Donc ça, c'est la phase en amont. Une fois qu'on a répondu à ces questions, j'ai un projet pour de l'interne, pour de l'externe, soit pour augmenter mon revenu ou fidéliser. Après, il y a souvent la question, on dit en anglais « make versus buy », fabriquer ou acheter. Est-ce que je développe moi-même, je suis dans une société où j'ai des développeurs qui pourraient faire ça, ou est-ce que j'achète un logiciel que je vais encapsuler au sein d'un extranet ou autre, ou pas d'ailleurs, parce que par exemple Contour Conseil, c'est pas du tout encapsulé, c'est les clients ont accès directement sur la plateforme. Donc c'est cette question, est-ce que je le développe ou pas. On avait un client qui était, on a vu cette question en réunion, et il avait calculé de tête, voilà, si je dois embaucher un développeur, ça va me coûter tant. Alors, il sera un bon développeur, mais il sera peut-être pas un as de la visualisation de données. Ce qui n'est pas tout de savoir développer, il faut aussi avoir des compétences sur l'analyse visuelle. Et donc, on a fait le calcul très rapidement. En fait, une solution du marché était beaucoup plus économique pour répondre à son besoin. Donc, il y a cette question make versus buy. Et c'est très, très généralement à l'avantage de. Du bail, sauf quand c'est par exemple, je vous parlais d'Alerte Gazole tout à l'heure, donc cette petite société marseillaise, elle s'est construite autour de cette valeur de je vais analyser la consommation dans des camions en gasoil. Bon, bah, c'est le business model de départ, donc ils ont développé l'outil au départ avec le reporting. Donc ça, c'était vraiment, c'était le business du début, ils ont développé. Là, 10 ans après, ils disent voilà, on attaque d'autres marchés, on attaque l'international, notre modèle qu'on a fait pour les camions, il ne marche pas pour les péniches, pour les monts de charge, pour les engins de chantier, enfin, c'est d'autres choses. Et on est obligé de tout redévelopper à chaque fois. Là, pour le coup, si on veut croître rapidement sur d'autres marchés et à l'international, à ce moment-là, on ne fait plus en développement interne. On a acquis les compétences, on sait ce qu'on veut présenter, mais là, on va encapsuler un logiciel, donc là, en l'occurrence Tableau, pour servir ce besoin-là. Donc, et je reviens quand même sur la question, combien de temps? Et bien, quand on a répondu à toutes ces questions, un, on a un business model, il y a des enjeux, il y a quelque chose. Deux, on va l'encapsuler. Donc là, c'est notre métier d'accompagner nos clients là-dessus. Les projets, la partie technique intégration, il y a trois volets. Il y a l'installation d'un serveur, par exemple. Il y a toute la gestion de l'authentification. Comment je gère, qui se connecte, droit d'avoir accès à quoi, et toute la sécurité liée à cette authentification, et puis la communication entre les serveurs. Généralement, ça, c'est en moins d'une semaine, moins de 5 jours, c'est réalisé. Et après, ce qu'on préconise à nos clients, c'est que les premières analyses que vous allez pousser à vos clients, il faut qu'elles fassent l'effet waouh, il faut qu'elles soient super bien léchées, bien designées, pour que le client il se dit bon ben voilà je paye un peu plus cher, je paye ce service, mais déjà il y a de la qualité dans les données, dans l'information qui m'est apportée, et en plus en termes de représentation c'est facile à lire, c'est bien designé, ça m'apporte quelque chose, et j'aurais pas été capable de faire ça sur Excel si on m'avait envoyé le jeu de données comme ça quoi. Donc et ça selon les projets, sur l'exemple de Territoria Mutuelle, c'était 10 jours, donc il y avait eu 5 jours techniques et 10 jours pour le premier projet mis en production. Donc c'est des projets assez courts en fait sur les premiers. Après quand on sur Travel Planet, maintenant le nombre de tableaux de bord, d'analyses croisées, de ce qu'ils peuvent proposer, enfin il est beaucoup plus supérieur à ça.
passer là-dessus. Alors oui, vous me voyez peut-être en vidéo, en fait, sur la photo, c'était avant le confinement. Avant le confinement, j'avais pas de barbe. Et après le premier confinement, voilà, je suis de... Mais c'est bien moi sur la photo. Pour revenir à nos moutons, donc, pour répondre à ta question, Mélanie, sur la durée, c'est des projets courts à l'échelle de projets habituels dans l'informatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, une autre, ce serait du coup, pourquoi Tableau pour ce type de projet ? C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément dans... Oui. Alors, en fait, parce que c'est un des leaders, il y a quelques leaders sur le marché de la BI Self-Service, et Tableau, on fait partie de ces leaders. Alors, nous, il s'avère que c'est la technologie dont on est expert, donc on vous parlera surtout de cette technologie, mais on le voit sur des appels d'offres. En fait, il y a alors sur le marché, il y a tout Quantoco en France, qui est un acteur français qui propose ce type de solution. En revanche, si on veut aller à un niveau de sécurité assez fin sur qui se connecte pour voir des choses de son périmètre, etc., et selon les types de hiérarchie, etc., et la complexité de ces hiérarchies, là déjà ça élimine pas mal de logiciels. Il n'y en a plus beaucoup qui le font bien. La capacité à s'intégrer dans un extranet, à s'intégrer facilement avec les différentes API, pareil, ça dépend des uns et des autres. Le concurrent principal de Tableau, c'est Power BI, qui est un outil Microsoft. À Microsoft, vous êtes pieds et poings liés avec toute la suite Microsoft, ça doit être sur Azure, etc. Donc, si vous voulez être indépendant de ça, installé sur un cloud privé, Amazon ou autre, et optimiser votre connexion, vous pouvez être limité. Donc, je sais que je ne suis pas forcément très objectif parce que c'est notre métier d'être expert Tableau, mais de ce que je vois sur les appels d'offres sur lesquels on a répondu, on les a gagnés sur ces éléments-là, enfin sur les éléments de sécurité, d'intégration, puis la capacité de design avec Tableau. Mais il y a un biais, je pense en toute sincérité que c'est une très très bonne solution sur ce type de projet. Historiquement, ceux qui ont été les leaders sur ce type de projet en France dans les outils BI, c'était Click, ClickView, mais qui nécessite des compétences de développement en Click, alors qu'avec Tableau, on est sur du self-service. Alors, Click depuis, il y a eu du ClickSense, mais Click est maintenant un positionnement un peu différent sur ce marché. Il n'y a pas... Ah si, une autre question, bonjour. Merci pour la précision sur la barbe. Je me posais la question. Comment vous positionnez-vous face à DigDash ? C'est une bonne question. On est très, très rarement face à DigDash. C'est un petit acteur, sans que ce soit péjoratif de dire petit, mais c'est un acteur français. Sur les grands comptes, j'ai pas d'exemple de souvenir de. Ah si, ouais, sur la Massif, ils avaient fait une réponse, mais ils n'ont pas été shortlistés. Je les ai jamais vus sur des très gros parcs. Je les ai vus à certains endroits très localement parce qu'il y a un expert ou une société de service qui distribue DigDash, mais. D'ailleurs, sur Nantes, il y a eu un exemple comme ça. Mais je n'ai pas de... Sur les sociétés qui consultent par rapport, en regardant le cadran magique, enfin, les leaders du marché, ils ne sont pas consultés parce qu'ils n'en font pas partie des leaders. Et leur développement, pour l'instant, il est encore très franco-français, il me semble. Hein. Je me trompe peut-être. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je peux me tromper, hein. Mais très sincèrement, c'est pas avec eux qu'on joue quand on est en concurrence. On est très souvent en concurrence. Alors, sur les projets de monétisation de données, on est plus en concurrence, si on prend un acteur français, on est plus en concurrence avec du tout Quantoco. Sur tout type de projet, on est beaucoup plus en concurrence avec Power BI, avec Click. Mais rarement avec DigDash. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir dire le mot de la fin. Eh bien, on n'avait pas prévu un Slack pour ça. Ah si, oui, remerciement.
Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez, on peut continuer les échanges, hein, si vous avez des questions ou si vous voulez apporter, si j'ai fait des erreurs ou si j'ai dit une bêtise sur Digdash, n'hésitez pas à me contacter. Je serai content d'échanger puis de peut-être changer mon regard là-dessus. On remercie le Salon de la Data de nous avoir accueillis. On remercie Nantes Métropole, la région de Pays de Loire, et puis l'application Imagina qui nous permet d'être connectés et d'être en contact avec vous, et puis tous les sponsors du salon dont on fait partie. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne fin de journée. Bien, bonne fin de journée à tout le monde. Je vais couper le direct tout de suite.